Mes amours, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve dans le deuxième épisode du Let's Play de Pokémon version Cristal. Donc, on en était chez Monsieur Pokémon et on avait vu le professeur Shen. Pokémon Shen, n'importe quoi. On avait vu le professeur Shen et il nous avait donné le Pokédex. Donc là, on va retourner directement à Bourgeon pour aller voir le professeur Orme et pour lui dire que le professeur Shen nous a donné l'œuf mystère, non, que le monsieur Pokémon nous a donné l'œuf mystère et que le professeur Shen nous a donné un Pokédex. C'est parti. Let's go. Le téléphone sonne. Professeur Orme, le chat, c'est terrible, c'est affreux. Il se moque de tout. Bon, ok, je vais fermer ma bouche. Que faire? Oh non. Reviens vite! Clic. Tout, tout. Ok. Donc là, on va retourner chez le professeur Orme qui a l'air au bout de sa vie. Voilà, hop. C'est un arbre à fruits et c'est une baie antidote. Voilà, donc pour ceux qui veulent savoir, je joue sur un iMac et mon émulateur c'est OpenEMU. De toute façon, je vous montrerai dans. Je vous mettrai dans la description. Hop, hop. Petit combat du matin. Donc là, au moment où je tourne la vidéo, il est 10h du mat. Il est comment? 10h26, donc on n'aura pas les Pokémon de nuit. Ce qui m'embête un peu, j'avoue. Mais c'est pas grave. On va trouver une solution. Hein. On va trouver les Pokémon de nuit aussi. Voilà. Donc là, petit combat voilà, contre le petit Aspicot. Oh non, je suis empoisonnée, je déteste ça. On va aller vite à l'océan de Pokémon. Hein. Voilà. Non, je m'a toujours pas eu le petit Aspicot. Donc ça va, je perds 3 PV. Ok. Ok, ok. Ok, ok, ok. Voilà, bon, on a tué Aspicot. C'est le point positif, on a toujours pas de Pokéball hein, parce qu'ils sont en rupture de stock. Et c'est parti vite au centre Pokémon. Voilà, donc l'écran il grésille parce que mon petit Hérissandre est empoisonné et il faudrait que j'arrive au plus vite au centre Pokémon avant que mon petit Hérissandre meure. Donc là je prends juste la baie pour avoir de la vie. Hop. Voilà, et vite avant que mon petit Hérissandre ne meure. Donc à chaque fois que ça clignote, il y a un PV qui est perdu. Et vite, 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 vite. Mince. Vite, vite. Le nombre de pas est compté, vite, 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 vite. Ouf. On est arrivé à temps au centre Pokémon. Voilà, bébé Hérissandre va mieux. Hop, voilà. Pokémon en super forme, ça fait plaisir. Donc, on a parlé aux gens, oui. Hein. C'est super, je peux stocker autant de Pokémon que je veux et c'est gratuit, ouais, c'est cool. Je crois qu'on n'était pas allé au shop pour parler aux gens. On va voir si je crois qu'il n'y a toujours pas de Pokéball. On va regarder. Hein. Ils n'ont plus de Pokéball. À quand l'arrivage de bonnes Pokéball? Voilà, on ne peut pas capturer de Pokémon encore. Je marchais dans l'herbe et un Pokémon insecte a empoisonné mon Pokémon. Bah moi aussi. J'ai continué mon chemin mais mon Pokémon s'est évanoui. Il est devenu KO. Tu devrais garder un antidote avec toi. Ouais. Je sais. Te casse. Donc du coup, on retourne par là et c'est parti pour le fight. Le premier vrai combat de ce Let's Play. Tu as un Pokémon du labo. Du gâchis, ouais, une mauviette comme toi. Pff. Bon, je t'aime pas. Je vais te montrer le bon Pokémon que j'ai moi. Le mec a trop pris la confiance. Vous allez voir comme il a pris la confiance, comment on va le faire redescendre sur Terre. Trois petits points d'interrogation, on veut se battre. Hein. On va l'appeler moche parce que t'es moche. Voilà. Donc lui, il a pris Kaiminus, voilà, forcément, le type qui bat mon Pokémon. Pour pas faire dans la dentelle. Donc Hérissandre, c'est parti. Et on va les faire charge parce qu'on n'a toujours pas appris Flamèche. Et de toute façon, Flamèche, ça n'aura aucune utilité face à Kaiminus. Ouais. Donc, on continue. De toute façon, on a deux niveaux, bientôt trois de plus que lui. On va le massacrer. Donc, lui, il a griffe. Là, ça m'enlève 5 PV quand même. 6 PV, hein. Donc, on va faire au mieux. Là, ça m'en a des 5, ok. Donc ça va, on est plutôt bien. Même si griffe, ça fait pas grand chose. Enfin, charge, ça fait pas grand chose. What, il m'en a des 7 PV.
On va utiliser une potion, les amis. Il est badass, hein, son Kalinus. Ouais. Bon, on va attaquer, on va continuer. Charge. Allez, mon petit, coup critique. Non, bon. Oh bah, coup critique, oui. On l'a eu. On l'a eu, les amis, le coup critique. Et bon, c'est parti, on va attaquer en premier et on l'a massacré. Victoire. Et notre bébé Erisandre monte au niveau 8. Fantastique. Ça fait plaisir. Et machin a perdu. Alors c'est la joie. Voilà. On gagne 300 Pokédollars. Mon nom et 3 petits points d'interrogation. Je serai le plus grand dresseur de Pokémon du monde. Crois-le. Et casse-toi. Ok, c'est parti. Donc nous, on retourne vite au bourg géant parce que le professeur Orm a un gros problème. Et il n'avait pas l'air très rassuré, donc c'est parti. On retourne au bourg géant, on évite les herbes, bien sûr, parce que là, les Pokémon sauvages, j'en ai marre. J'en ai déjà marre des hautes herbes, c'est une catastrophe. Donc hop, c'est parti. On va voir le professeur Orm qui est au bout de sa vie. Et c'est parti. J'ai entendu dire qu'un Pokémon a été volé ici. Je viens de recevoir des infos du professeur Orm. Apparemment, c'était un jeune garnement aux longs cheveux rouges. Racaille, racaille. Quoi? Tu as combattu un dresseur comme ça? As-tu retenu son nom? Bon, ouais, on va l'appeler Moche, parce que t'es moche. Il s'appelait donc Moche. Merci pour ta coopération. Bah de rien, monsieur l'agent. Donc là, on va parler au professeur. Chat, c'est affreux. Au fait, quelle est la grande découverte de monsieur Pokémon? Chat confie l'œuf mystère au professeur Orm. Ça? Mais c'est un œuf de Pokémon. Si c'est un vrai, c'est une grande découverte. Quoi? Le professeur Shen t'a donné un Pokédex. Chat, c'est vrai. C'est incroyable. Il a l'œil pour trouver les bons dresseurs pleins d'avenir. Chat, tu dois avoir les épaules pour être maître. Tu as aussi l'air de bien t'entendre avec les Pokémon. Tu devrais te lancer à la conquête des arènes. La plus proche est celle de Mauville. Chat, la route vers la victoire est longue. Va parler à ta maman avant de partir. Ok, let's go. On va se casser. Ah, avant, je soignais mon petit récent puisqu'il avait pris cher. Ah mince, j'appuie sur le potentiel bouton select. Non, on s'en fiche. Ok. Voulez-vous soigner vos Pokémon? Oui, on va soigner bébé Erisandre. Et par contre, je sais pas qui je vais mettre dans mon équipe. Non, c'est bon, j'ai fait une fois. Donc là, on se casse. Il va nous donner les Pokéballs. Chat. Utilise ceci pour compléter ton Pokédex. Et chat reçoit des Pokéballs. Pour compléter ton Pokédex, tu dois attraper des Pokémon. Lance des Pokéballs sur les Pokémon sauvages pour les attraper. Chat, mes Pokéballs dans la poche des balls. Ok, c'est cool. On va parler à notre maman et on se casse. Oh, quel joli Pokémon. Où l'as-tu trouvé? Hein? Où ça? Alors, t'aimes l'aventure, quoi? Ok, je vais t'aider. Mais que faire? Je sais, je vais économiser pour toi. L'argent, c'est important. Veux-tu que j'économise pour toi? Ouais. Ah, mes souhaits. Ok, je vais m'occuper de tes sous. Fais attention. Les Pokémon sont tes amis. Il faut les aimer aussi. En route. Allez, c'est parti. On se casse. Oh là là, c'est parti pour une leçon. Je te connais toi, combien de Pokémon as-tu attrapé? Veux-tu que je te montre comment attraper des Pokémon? Allez, on va faire oui. On va faire oui juste pour le plaisir d'avoir un petit tuto dans ce jeu. Un petit ratata sauvage. Ou ratata, moi je le capturerai pas. Un ratata attrape. Ah pareil, ça c'est cool. On joue sans les mains, les amis. Ça fait plaisir.
Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc voilà, il utilise une Pokéball pour capturer son petit ratata. Il ne l'a pas affaibli. Va-t-il rester dans la Pokéball? Et il l'a eu. T'as eu beaucoup de chance. Voilà comment il faut faire. Si tu affaiblis d'abord le Pokémon, il sera plus faible. Plus facile à attraper, pardon. Ok, bon bah c'est parti. Let's go. On va pas attraper trois d'un an parce que... là, il y a que des Pokémon pourris. Voilà, avec des Fouinettes, des Rattata et des Rookool. À la limite, peut-être un Chenipan. Ça peut être sympa, mais Rookool... Rookool, enfin, je suis en train de réfléchir par rapport à la suite du jeu. Il faudrait vraiment que j'ai un deuxième Pokémon, mais qui... sachant que moi d'habitude je capture Petit Star, mais Petit Star est disponible que la nuit. Je sais pas. Peut-être à l'épisode d'après, je jouerai ce soir et je capturerai un Petit Star, mais là pour l'instant, un Rookool. Je réfléchis par rapport aux futures arènes et en fait j'en ai pas besoin d'un Rookool. Parce que je vais pas compléter le Pokédex, parce que comme je joue sur émulateur, en fait, je peux pas compléter tout le Pokédex. Donc ce serait une perte de temps, en fait. Que je peux pas faire... Enfin, je sais même pas, en fait. Si ça se trouve, je peux faire des échanges, mais je vais pas me casser la tête à compléter tout le Pokédex. Ce serait une perte de temps, vu que... Je vais quand même soigner mon petit Hérissandre. Vu que, ouais, c'est une perte de temps, vu que je sais même pas si je peux faire des échanges. Et j'ai pas forcément envie de compléter le Pokédex. Je pense que c'est mieux de vous montrer l'histoire et compléter le Pokédex, bof. Mais j'ai déjà 2-3 idées de qui je vais capturer. Mais là, jusqu'à l'arène de Mauville, peut-être un Chenipan. Mais Chenipan, il va se faire. Il va pas servir à grand chose. En fait, pour la suite du jeu, il va pas servir à rien. Donc, faut à Pokéball, j'en ai souvent. Oh, pauvre. Les Pokémon sauvages, donc là je vais les fuir parce qu'on va battre plein de dresseurs. Ah, je le capture ou pas? Non. Il a toujours pas pris Flamèche celui-ci. Hein. D'ailleurs, ah c'est là, mais. On va faire fuite. Non, je n'y pense, je m'en fous. Je pense que. Je sais pas qui je vais capturer. Voilà, ça va être, je pense que ça va être au feeling. Au feeling, ni Rattata, ni Rookool, ni Chenipan, ni Aspico, mais après je sais pas. Je sais pas qui je vais attraper, je sais pas. J'y réfléchis, j'essaie de me faire une équipe, sachant que là en fait j'ai besoin que de mon Hérissandre, voilà, clairement. Donc Gaspard Gamin veut se battre, hein, bien sûr, combat, il a un Rattata. Je sais pas qui je vais capturer après, j'hésite. J'hésite, si vous voulez me dire dans les commentaires, bien sûr, n'hésitez pas. Mais je sais pas. Je ne sais pas. Je sais pas qui je vais capturer. Oh là là, ça me... Je cogite. Je sais pas. Oh là là, qui je vais capturer, en tout cas. Bien que j'ai un deuxième Pokémon de rechange. Hérissandre monte au niveau 9. Et Hérissandre n'a toujours pas pris Flamèche. C'est la catastrophe. Voilà, donc on a massacré Gaspard Gamin. Et je sais pas qui je vais capturer. Deuxième dresseur. J'ai toujours pas de Pokémon, d'autres Pokémon. Mais je... Oh, je sais pas. Parce que j'aime pas du tout... je suis pas très fan de... Je suis pas très fan de des Rookool, des Rattata, des Hérissandre, des Rookool, des Rattata, les Fouinettes, les Houtouts, le soir il y a Houtouts, il y a Mimigal, non, je ne sais pas, on va voir, ouais, ça va être la partie au feeling, hein. On va agir au feeling, on va jouer un soir pour capturer un Petit Star. Les Pokémon d'eau, c'est la vie. De toute façon, il faut un typo, mais après, bon.
Je vais pas spoiler l'histoire pour ceux qui la connaissent pas, mais ouais, les Pokémon d'eau, c'est la vie. De toute façon, le feu, enfin, chaque fois, je prends souvent le Pokémon de type feu en premier parce que c'est le plus dur à capturer. C'est les plus durs à... Enfin, peut-être pas dans les versions, les nouvelles versions, mais disons que jusqu'à noir et blanc, les plus difficiles à obtenir, c'était les Pokémon de feu, sauvages. Ouais. Même si... Aussi moi j'ai mon préféré de la deuxième chaise, c'est Germignon. Mais c'est trop dur, le jeu est trop dur en prenant Germignon au début. Trop trop dur. Elle n'est pas dresseuse donc on s'en fout. Allez c'est parti, un nouveau dresseur, j'ai toujours pas pris Flamèche. Tout va bien. Jean-Raoul Scout. Oh Jean-Raoul. C'est dur à porter Jean-Raoul, non? Donc il a un petit chenipan. Ok, c'est parti. Ok, j'ai toujours pas Flamèche et vraiment ça me manque là parce que j'arrive pas à... Je suis au niveau 9. J'arrive pas à les battre d'un coup, les chenipans niveau 3, c'est une horreur, une horreur. Oh là là, il ressemblera à son attaque, bien sûr. Ouh là là, je commence à faiblir. Je ne vais pas monter au niveau 10, là. Encore un chenipan, bon ça va, je vais pas me faire ken, mais... ça va, ça m'enlève qu'un PV. Ah, le coup critique qui fait plaisir. C'était magnifique. C'était magnifique le one shot. Voilà, il monte au niveau 10. Est-ce qu'il apprend enfin Flamèche? C'est une blague. Il a toujours pas appris Flamèche. Non, mais c'est ça. Ce terrissant doit être un sketch. Bon, c'est pas grave. Donc là on a pas coupe, on peut pas couper les arbustes et on est obligé de passer par là. Pokémon sauvage. J'espère que je vais trouver quelqu'un qui m'intéresse. Mais les roucoules, les ratatans dans ce coup. De toute façon, après je sais pas qui je vais prendre dans ma team. Enfin je voulais un petit star, voilà, je vous le spoil pas. J'ai une autre idée d'un autre Pokémon que je vais prendre, ça c'est sûr et certain. Mais ça je vais pas vous spoiler à l'avance, sinon vous allez rien voir, ça va être pas cool. Donc, entre noir. Si un Pokémon pouvait l'éclairer, on pourrait l'explorer. Donc ça c'est une grotte qu'on ne peut pas explorer parce que regardez, c'est tout noir, on n'a pas la capacité flash. Donc voilà, ce serait inutile de l'explorer. On s'y perdrait plus qu'autre chose et on y perdrait du temps. Voilà, donc là c'est l'entre-noir. Là on a un petit objet, c'est une potion, ça fait du bien. Voilà, pour nos petits Pokémon, enfin notre petit Hérissandre plutôt. Lui, qu'est-ce qu'il nous veut? Mieux, j'ai trop marché pour trouver des Pokémon. J'ai mal aux pieds et j'ai sommeil. Si j'étais un Pokémon, je serais facile à choper. Bonne nuit. Ok, bah bonne nuit, hein, bonne nuit. Hein. Donc là, une baie amère. Il y a un dernier dresseur à battre. Mon petit. Ouais, mon petit récent, ça va, c'est un truc qui va tenir beaucoup. J'ai attrapé plein de Pokémon, on va faire un combat. Ok. Soit faisant un combat. Maxime Scout, putain, il a 4 Pokémon, mais je crois qu'il a. Ouais, il a que des chenipans, des confort, des espicots. Ça va être niveau 2 quand même, je vais pas me faire ken par niveau 2. Ça va être 13 PV. Oh non, mais s'il commence par rater ses attaques, ça va pas être possible. Ça va, il m'enlève 1 PV. Donc quand je suis à 4-5 PV, je tire la sonnette d'alarme. Allez, charge, c'est bien mon poteau. Voilà. Moi aussi je fais charge. Alors là, il nous envoie un deuxième chenipan. Est-ce qu'il est encore au niveau 2? Oui, donc ça va. Donc c'est parti. Oh là là, oh là, magnifique. Magnifique, presque one shot, presque. Donc Hérissandre attaque, charge. Voilà.
Hop, deuxième chenipan, KO. Troisième chenipan, toujours au niveau 2. Ouais, bon ça va, easy. Toujours pas one shot, hein. On attend désespérément l'attaque flamèche de Hérissandre. Hop, voilà, charge. C'est parti. Ah voilà, dernier Pokémon en Aspicot. Voilà, encore charge, hein. De toute façon, c'est que des charges. Oh non, ne m'empoisonne pas. Oh là là, en plus d'un revenant, ça m'enlève 2 PV. Oh, c'est la reste là. Ça va pas du tout. Voilà, bon, bah, c'est bon, on l'a tué. Toujours pas monté au niveau 11. Je sais pas quand est-ce qu'il va apprendre Flamèche, ce petit Hérissandre. Mais c'est la catastrophe. Voilà. Donc hop, ça c'est fait. On n'en parle plus. Un objet, qu'est-ce donc? Une Pokéball. On prend. On prend. Mince, j'ai appuyé sur Select. Ok. Oh putain. Mon Hérissandre il va pas bien là. Un Chétiflore. Je réfléchis. Par rapport au prochain champion d'arène. Je réfléchis. Champion d'arène. Il nous aura d'aucune utilité, mais on va quand même le capturer. Peut-être me faire one shot par un Chétiflore, les amis. Stop, ne me fais pas un coup critique. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même donner une potion à notre bébé Hérissandre. Au cas où si l'ami Chétiflore ne rentre pas dans la Pokéball, bien sûr. Voilà, donc Chétiflore, il va pas m'être utile dès le début. Il va pas être utile du tout à mon avis, mais on va quand même le prendre, voilà, pour pas se sentir seul. Le type plante dans Pokémon version cristal, enfin voilà, ouais, dans le... Oh je l'ai eu bien le coup, j'aurais pas dû donner une potion, bon bref, c'est pas grave. Dans la version, dans le jeu de la deuxième G, le type plante pour moi n'est pas très utile. Parce que... à part battre les gars de la montagne, ce sera pas très utile. J'ai trouvé un bon Pokémon dans l'entre-noir, je vais l'entraîner pour battre Albert. Cool. Il est le champion de l'arène de Mobile. Cool. Je viens de penser, je crois que je veux prendre un Roucoule en fait. Donc toi, qu'est-ce que tu veux? Salut toi, as-tu visité la tour Chétiflore? Non, pas encore. Donc hop, je suis loin de chez moi, il faut que j'appelle. Ok. Donc là, on est arrivé à Mauville, welcome to Mauville, et on va juste visiter la ville, et après on arrêtera cet épisode-là. Le bruit court que des fantômes errent dans la tour Chétiflore, on dit que les capacités des Pokémon de type normal n'ont pas d'effet sur les fantômes. Ok, cool. On dirait qu'il y a un voisin qui fait du bruit. Tout va bien. Je collectionne les Pokémon, as-tu Chétiflore? Tu veux l'échanger contre Onyx. Onyx. On fait. Attendez, je réfléchis. Onyx, il va m'être utile. Ouais, il pourrait m'être utile. Allez. Bye bye, Chétiflore. Ça fait bizarre de voir des Game Boy Color. Je vis. Pas du tout au bout du jeu. Chétiflore est envoyé à Olive. Et Olive envoie Onyx contre le Chétiflore. Voilà, mais de toute façon, je pense que Chétiflore, on va peut-être en capturer un autre. Onyx, il va pas rester longtemps dans ma team, hein, ça c'est sûr. Mais il peut m'être utile pour la prochaine arène.
Onyx, dresseur d'origine Onyx. Voilà, on va dire que ça peut nous être utile, un Onyx, sachant que je suis pas très fan de Onyx, j'ai jamais pris Onyx dans mon équipe, mais on sait jamais, on sait jamais. Je pense que après je vais recapturer un Chatifa. Un Pokémon échangé grandit plus vite qu'un Pokémon attrapé, mais si tu n'as pas le bon badge, il est possible qu'il ne t'obéisse pas. Ok, bon, c'est pas grave. Balek, de toute façon je peux utiliser des messes. On va soigner nos Pokémon au centre Pokémon. On va faire juste un petit tour de la ville et après l'épisode sera fini. Donc vous avez plus ou moins 3 ans, la Team Rocket était la pire ennemie des Pokémon. Mais il y a une justice, un jeune gamin les a depuis détrônés. Eh ouais. Salut, bienvenue au centre Pokémon, nous pouvons soigner vos Pokémon. Voulez-vous les soigner? Bah oui, carrément. Ok, puis-je voir vos Pokémon? Hop. Merci d'avoir attendu, vos Pokémon sont en super forme. Encore merci et à bientôt. Bah de rien. Les Pokémon sont intelligents et n'obéissent pas aux dresseurs qui ne les respectent pas. Sans les badges appropriés, ils n'en feront qu'à leur tête. Logique. Un type du nom de Léo a créé les systèmes de stockage de Pokémon. Ouais, ok. Pas très intéressant. Donc là, hop. Là, c'est l'école. Ok, rien d'intéressant. Là, c'est la tour chez Tiflore. On s'en occupera dans le prochain épisode. Donc lui, hop. T'es dresseur de Pokémon, si tu bats le champion d'arène, tu passeras aux 20h. Cool. Voilà, donc là, un petit bonhomme. Albert de l'arène Pokémon de Mauveville est un dresseur sympa. Il a hérité de l'arène de son père et a fait du bon travail. Cool. Cool pour lui. Lui, qu'est-ce qu'il veut? Salut, t'es dresseur. Une vraie baston, ça dit oui. Oh là là, super cool. J'ai vu un arbre tout cabossé là-bas. Si on le touche, il gigote et il smurf en même temps. Cool. Ouais, c'est cool. On va s'en occuper ça, mais ce sera un petit peu plus tard, quand on sera un petit peu plus fort. Donc hop. Pour donner des noms rigolos à ses Pokémon, elle utilise le nom de ses plats préférés. Ok. Why not. J'ai appelé mon Pokémon Roucoule mousse de porc. Pauvre Roucoule. Ok, donc rien d'intéressant. Ok, donc c'est parti, on va juste sauvegarder les amis, voilà, on va rester devant la tour chez Tiflore, voilà, on va s'en occuper pendant le prochain épisode, et du coup, bah voilà, c'est la fin de cet épisode les amis, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, faites comme vous voulez, vous savez que cette chaîne est avant tout la vôtre, moi perso, je vous embrasse très fort, et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Pokémon version cristal, bisous les copains.